Alors, du coup, vous saviez, je ne sais pas si vous connaissez bien Ben Afras, qui est vraiment connu, qui réside actuellement en France. Moi, j'ai eu l'opportunité de causer avec Ben Afras, qui me dit, mon petit, écoute, persévère, travaille à fond, donne-toi. Même si tu es dans un trou, les gens te retrouveront. Alors, je me suis dit, ouais, ça m'a touché. Parce que là, j'ai vu que non, ce qu'il disait était complètement réel. Alors, et moi, quand j'y pense à ce qu'il me dit, je me donne à fond. Moi, quand il fait jour, je travaille. Vous voyez, vous êtes venu, il y a plein de toiles. Jusqu'à j'ai pris des œuvres, je ne sais même pas compter mes œuvres. Voilà, donc du coup, c'est quelque chose qui m'a motivé. Et d'ailleurs, il y a Abou aussi, Sidibé, qui n'arrête pas de me dire, mon petit, persévère, tel que les Vivier tapent ce pas. L'Achille Sougranin, qui est actuellement aux États-Unis, qui me dit, mon petit, continue la lutte. C'est comme ça, baisse pas les bras. Et aussi, j'ai la chance d'être dans une famille qui comprend maintenant un peu ma démarche artistique. Mais au début, ce n'était pas facile. Bon, qui ne voulait pas que je sois peintre, mais un boulot que j'aimais bien, j'avais des petites difficultés. Mais maintenant, bon, on m'accepte, vous voyez, je suis en train de travailler en famille. Donc, je pense que c'est déjà l'idée. Après, bon, ce que les gens pensent de moi, bon, moi, je pense que ce n'est pas, c'est pas mon problème. Pourvu seulement que je puisse faire mon boulot que j'aime. Mais un boulot que je ne cherche pas à faire plaire à qui que ce soit. Je ne cherche pas à vous faire plaire, mais je cherche à me faire plaisir. Parce que là, quand je peins, je ressens complètement du plaisir que je peins. Alors, moi, je ne peins pas pour vous faire plaisir. Bon, si ça vous plaît, tant mieux. Si ça ne vous plaît pas, bah, écoutez, moi, je continue toujours. Hein. Je continue toujours mon combat. Je continue toujours d'être là à peindre et espérer qu'un jour ou l'autre, ça ira. Mais l'objectif de cette peinture que je peins est de rester toujours authentique, comme on me l'a dit, de rester moi-même, naturel, sans me prendre la tête, et c'est ce que je fais, voilà. Je ne me joue pas aux grands artistes. Bon, écoutez, si ça vous plaît, bon, voilà, tant mieux. De toute façon, c'est quelque chose qui... C'est question de goût.